Tchao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Bon Black Friday à tous. Bah ouais, forcément je suis obligé d'en parler, c'est le Black Friday. Donc bah moi ça va être simple, d'abord je devais même pas commencer par ça, mais au moins ce sera fait. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Vite fait, je vous explique et après je vous parle du Black Friday et de tout ce qui suit. Aujourd'hui j'irai pas voler, il fait un temps de chien, c'est vraiment pas top. Donc j'en profite pour vous parler des nouveautés, de tout ce que je vais développer, on va dire jusqu'à fin décembre. Je pense, il y aura peut-être autre chose, mais en attendant, je vais vous dire ce que je sais, et j'ai vraiment des bonnes nouvelles. C'est une bonne nouvelle. Également le résultat du concours avec vos blagues, franchement génial, je me suis éclaté, je sais que j'ai pas été le seul à m'éclater devant toutes ces blagues. Donc le résultat du concours, j'ai fait une sélection de quelques blagues, je vais vous les raconter, et puis je vous dirai les deux que j'ai préférées, et donc qui ont gagné les deux lots forcément. Donc je commence tout de suite, le Black Friday. Alors le Black Friday c'est partout, ça a commencé déjà sur certains sites ou dans les magasins, mais il va y avoir de grosses promos généralement aujourd'hui, le vendredi. Donc qu'est-ce que je fais moi? Eh bien écoutez, je vais pas vous mettre tous les liens des Black Friday qui peuvent exister, je vais m'en restreindre à Banggood simplement, parce que déjà c'est un de mes partenaires préférés, pas que c'est eux qui m'envoient le plus d'engins, même si je pense que c'est eux qui m'envoient le plus d'appareils tester, mais c'est surtout ceux qui me proposent le meilleur SAV, le meilleur suivi. Et c'est vrai que même si quelquefois il y a quelques soucis sur des engins, encore une fois c'est pas eux qui fabriquent les engins, et je pense que le SAV est plutôt sympa, même s'il y en a qui paniquent un peu au départ, ça finit généralement par s'arranger. Bref, pour ce qui est du Black Friday sur Banggood, je vous mettrai dans la description. Alors vous allez voir, il y a des liens dans la description dans cette vidéo, c'est clair, parce que je vais vous mettre les liens de tout ce que je vais vous présenter et de tout ce qui est à venir sur ma chaîne, comme ça vous pourrez aller voir ce qui se passe. Vous savez que ce sont pour la plupart, pas tous, je précise, des liens affiliés, mais vraiment pas tous. Il y en a certains, bah, je vous les donne parce que c'est le meilleur endroit où on peut trouver le meilleur produit, et c'est vrai que la plupart des autres sont des liens affiliés, comme Banggood par exemple, ou Gearbest, etc. Et vous savez que les liens affiliés, c'est ce qui me permet moi d'avancer, puisque je vais en faire mon métier. Alors petite nouvelle, je voulais vous le dire à la fin de la vidéo, mais je vous le dis tout de suite, courant décembre, à partir de début décembre, je vais attaquer une formation pour devenir pilote professionnel, donc le brevet de pilote théorique drone, pour pouvoir en faire un métier. En plus de YouTube, je vous rassure, je continuerai YouTube, enfin je vous rassure, sauf pour ceux qui en ont marre de me voir, il y a juste à zapper, hein. Donc je continuerai YouTube, bien sûr, je continuerai à tester des appareils parce que j'adore ça, et j'adore ma communauté. Merci à toute ma communauté sur Facebook et partout. Franchement, je fais ce que je peux pour leur rendre service, et ils me le rendent bien, je dois l'avouer, je vous en parle un peu plus tard. Mais donc vous savez que ces liens affiliés sont importants pour moi, puisque c'est ce qui me permet d'avancer. Donc pas forcément si vous achetez à chaque fois, vous n'allez pas pouvoir acheter tout ce que je vous montre, arrêtez de me dire tu me coûtes cher, mais au moins cliquez sur les liens, parce que ça montre encore une fois à mon partenaire que la vidéo existe et que la vidéo fonctionne, parce qu'il y a des retours de clics sur leur site. Voilà, donc après vous achetez pas, faites des comparatifs, comme je vous dis toujours, il y a peut-être moins cher ailleurs, à la limite n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un lien sur un autre site de partenaire à moi. Vous savez aussi que quand je vous donne un lien de mes partenaires, si jamais vous avez un souci à la livraison par exemple, ou un litige avec eux, je peux intervenir à partir du moment où vous avez utilisé un de mes liens. Voilà, c'est normal, c'est moi qui vous envoie, donc je peux mettre mon petit grain de sel si jamais vous avez du mal à vous en sortir. Bref, cela étant dit, le Black Friday, je vous mettrai donc dans la description les meilleurs coupons avec les meilleurs liens de Black Friday. C'est pas juste sur le RC, hein, ça peut être sur des fringues, ça peut être sur de l'électronique. Donc je vous mettrai dans la description les meilleurs liens des Black Friday sur Banggood. Et après, libre à vous d'aller chercher ailleurs, bien sûr, puisqu'il y en a partout du Black Friday. En matière de nouveautés, c'est parti. Qu'est-ce que je vais vous montrer en fin d'année ? Alors, dans les plus rapides, dans ce qui va venir le plus rapidement, je vais vous parler du V-Whoop, petit engin qui est là. Vous allez me dire, il est de travers. C'est normal. C'est un petit appareil sympa pour débutants ou pour les enfants, pour s'amuser, pour s'initier au FPV, parce que bah, c'est costaud, même si c'est un matériau polystyrène expansé, enfin un matériau comme ça, ça permet de voler, bien sûr, c'est un tiny whoop.
voilà, ça permet de voler, mais ça permet également de faire de l'aéroglisseur et d'enchaîner les deux après, une fois que vous connaissez le principe. Mais aéroglisseur différent des autres, puisque là vous allez pouvoir orienter différemment, vous avez deux orientations différentes, donc ça je vous en parle bientôt avec la petite caméra bien sûr. Donc le VWOOP 90 très très bientôt sur la chaîne. On va voir également, dès qu'il va faire un petit peu meilleur, le SJRC Z5, un petit drone pliable et pas très cher. Je crois qu'il est actuellement à 80€. Celui-ci vient de chez Geek Buying. Vous connaissez Geek Buying, je vous en ai déjà parlé. Tac, voilà le petit Z5. Alors il existe en trois versions, une autre version un peu plus costaud et une version avec des moteurs brushless. Mais cette version là, en moteur brushed, pliable, avec une caméra orientable 1080p, est environ à 85€, je crois, pour un drone de prise de vue avec GPS. Donc ça, je vous en parle bientôt du petit SJRC Z5. Beau petit bébé, moi je trouve ça sympa. Je pense qu'on commence à avancer, vous allez voir, j'ai encore des nouveautés à venir, certaines je vous en parle, d'autres je vous en parle pas. On verra aussi bientôt des appareils de chez FXT. Donc je vous ai parlé déjà dans la dernière vidéo du petit câble du FX108 qui permet d'alimenter les lunettes, les masques à l'aide d'une powerbank. Vous vous souvenez, en sortant 5 volts, on alimente en 9 volts. Donc ça, je vous en ai parlé. La dernière petite Mars Pro V2, qui est du niveau de la Runcam Eagle Pro, qui a une résolution terrible en 1000 TVL. Vous allez voir, la qualité est impressionnante, de la taille d'une mini, pas d'une micro. Et également, ce petit chose là dans la boîte blanche, alors ça c'est une petite caméra, c'est la Venus Pro V2 reliée à un VTX, donc c'est un combo un petit peu comme la Firefly qu'on a vu il y a pas longtemps, la Fortress, c'est un combo, mais non seulement d'une qualité raisonnable on va dire, plutôt correcte, mais en plus avec une nouvelle fonctionnalité, c'est à dire que pour beaucoup de réglages vous n'aurez plus besoin de radiocommande ou de télécommande puisque tout va se faire au sensor, c'est à dire que quand vous aurez mis en route votre caméra, ça va être sympa à démontrer. Quand vous aurez mis en route votre caméra sur votre drone, pour changer les réglages, vous aurez juste à passer la main dessus un certain temps selon ce que vous allez vouloir régler, et vous allez pouvoir régler la luminosité, c'est-à-dire la scène que vous voulez, vous savez, cloudy ou ensoleillé, etc., ou personnel. Vous allez pouvoir changer la puissance du VTX, bref, vous allez pouvoir changer pas mal de choses juste en passant la main devant la caméra, vous allez modifier vos réglages. Donc ça, c'est le top. Vous mettez le drone en route, il y a un réglage qui vous plaît pas, hop, je modifie, voilà, à tester, ça a l'air plutôt sympa. À voir aussi également, très bientôt, là je peux pas vous le montrer, il tourne là-haut, même si je sais pas si vous verrez grand-chose, je ne pouvais pas prendre les deux, j'avais pas les moyens, et on me les envoie pas, mais il y a deux drones que j'ai très très envie de tester cette année, c'est le Xiaomi Fimi A3, vous le savez, le petit drone portable pour faire de la prise de vue, avec le retour direct sur la radiocommande en 5.8, ça c'est impressionnant, j'ai hâte, un petit peu comme le Upsan H501S, mais en Xiaomi, qui ma foi est une marque que j'adore, et il y a le deuxième qui est le Upsan Zino. Alors celui-ci aussi, ça a l'air d'être un grand top dans la fin de cette année. Engin de moins de 800 grammes pour les prises de vue, 1080p, 4K je crois, en 30 fps et 60 peut-être en 1080. On verra ça quand on l'aura. Je ne pouvais pas prendre les deux. Donc, j'ai profité des soldes pour commander personnellement le Xiaomi Fimi sur Banggood. Et je suis en pourparlers avec Upsan pour essayer d'avoir le Zino. Mais pour l'instant, c'est loin d'être sûr parce que je ne peux pas l'avoir par un autre site. Pour l'instant, mais j'ai un abonné sur Facebook, un pote, on va dire. Vous savez, celui qui m'a fait les petites impressions 3D avec le cadre Taskiller, le abonnez-vous. Monsieur Steven, merci encore de ta confiance. Eh bien, écoutez, Steven voulait le Upsan Zino, donc il l'a passé en précommande. Et il me l'envoie, il fait même livrer chez moi directement pour que je puisse vous le présenter le plus rapidement possible en exclusivité. Donc j'espère que je l'aurai rapidement, mais pour résumer, on aura le Xiaomi Fimi A3 et le Upsan Zino sur ma chaîne. Et ça, j'en suis super content et super fier, donc merci encore à la communauté. J'aime pas avoir les engins des autres chez moi, généralement je refuse, surtout pour les racers, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, c'est une responsabilité que je veux pas prendre généralement. Mais là, j'ai pas pu
pure fusée, parce que c'est pour le bien de la communauté, pour faire avancer le schmilblick, comme on dit, et j'avais tellement envie de le tester que j'ai pas pu résister. Donc, le Xiaomi Fimi et le Hubsan Zino en concurrence, parce que je veux voir ce qu'ils ont dans le ventre, pour le prix auquel ils sont proposés, ces deux engins, à mon avis, qui vont faire du bruit, qui vont faire mal à Parrot, à DJI, vous voyez ce que je veux dire. Autre chose en nouveauté, je ne l'ai pas sous la main, je l'attends, le King Kong ET115 qui marche en 3S et qui marche fort, donc peut-être pas pour l'indoor celui-là, mais au moins pour envoyer du pâté à l'extérieur, donc je l'attends. Le ET115 devrait bientôt arriver normalement. J'aurai aussi une petite voiture très sympa, une Lexus LX570 en 1/14 pour les enfants, un cadeau de Noël. Alors j'espère que je vais l'avoir rapidement pour vous la montrer avant Noël, parce que je fais rarement ce genre de choses, mais je l'ai trouvé sympa. Voilà, il y avait une Lambo et il y avait une Lexus, et franchement la bagnole familiale, je trouve ça sympa en 1/14 qui vaut 50 balles je crois. Donc je vais tester, voir si ça vaut le coup, voir si c'est pas de la daube, et je vous montrerai ça bientôt. Dernière chose, petite ou grande nouvelle, ça dépend pour qui. Yannick Lhuillier, je vous en ai parlé, les antennes FPV. Vous voyez ce petit lot d'antennes ici, Pagoda, plus l'antenne patch qui est là. Alors moi je l'ai pris aux couleurs de Weir FPV, parce que je suis fan de Weir FPV, tout comme de Culture FPV, vous le savez, et d'autres bien sûr. Et ben écoutez, j'ai vu avec Yannick, donc moi la dernière fois j'ai eu un lot, pour vous donner un ordre d'idée, pour 30€, j'ai eu ce lot. Voilà, pour 30€ j'avais 4 antennes, plus un adaptateur, 2 adaptateurs. Alors je vous dis pas que ces antennes sont meilleures que toutes les antennes qui existent. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont super bonnes, elles font partie des bonnes antennes, et surtout, il y a une qualité de finition, puisque c'est lui qui les fabrique, irréprochable. Franchement, elles sont propres de chez propre, et vous pouvez lui commander en différentes coloris, avec différentes prises, que ce soit du SMA ou du RPSMA, mâle ou femelle. Bref, c'est des antennes sur mesure. Et la grande nouvelle, c'est que je lui ai envoyé mon logo, celui qu'on voit là, je lui ai envoyé mon logo et je vois avec lui, il fait faire quelques antennes, une 50aine ou une 60aine, je sais plus, il fait faire quelques antennes avec mon logo ici, à la place de Weir FPV. Donc moi je recommanderais un stock, bien sûr, enfin un stock, un lot, pour avoir moi sur mes engins. Et il y en aura quelques-unes d'avance si jamais vous en voulez. Donc des antennes de bonne qualité, faites par Yannick, donc sur mesure, avec le logo, les Tazou, puisque j'ai pas envoyé le logo Taskiller 85, mais mon logo avec les Tazou en dessous. Donc si ça vous dit, je vous tiens au courant bientôt, on verra ça, courant décembre, fin décembre, je vous tiens au courant dès que ça arrive, et je vous mettrai le lien pour vous mettre en relation avec Yannick. Là encore, il n'y a pas d'affiliation, c'est vous voyez ça avec lui directement. C'est juste si vous voulez une petite antenne, les Tazou, voilà, une antenne de bonne qualité, je précise, et aux couleurs de votre choix. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais attaquer une formation de pilote de drone pro au mois de décembre, donc ça va me prendre pas mal de temps, au moins pendant 15 jours, et puis je vais avoir du taf, il va falloir que je bosse et que je révise, parce que je suis loin de tout savoir, mais j'essaierai de pas rater les vidéos et de vous faire quand même les tests, en l'occurrence, et je vous tiendrai surtout au courant de comment se passe la formation quand j'aurai commencé. Pour finir, on en vient à ce qui vous intéresse, voilà une petite sélection de blagounettes. Alors, je vais vous en raconter, j'en ai sélectionné 5. Je vais vous en raconter 5. Et les deux dernières sont les deux que j'ai gardées. D'ailleurs, je vous invite directement à aller voir sur la page du concours si vous êtes en panne de blagues pour les fêtes. Là, au moins, vous aurez un petit stock de blagues plutôt sympa. Il y en a des graveleuses. Il y en a qui m'ont fait rire, mais qui étaient un petit peu osées, donc j'ai préféré pas les prendre. Bref, je vous raconte la numéro 5, donc qui n'a pas été retenue pour le concours, mais qui m'a bien fait marrer quand même. Alors Romuald Gandret m'a envoyé « Dis papa, c'est toi ou maman qui m'a donné mon intelligence ?» Le papa répond « Ça doit être ta mère parce que moi j'ai toujours la mienne. » J'ai trouvé ça drôle. On peut la mettre dans l'autre sens, hein, ça peut être la maman qui répond. Hein. Voilà, il n'y a pas de discrimination. Donc blague numéro 4 de François Poggi, qui est bien marrante aussi. C'est un petit garçon qui est en larmes, qui marche dans la rue et qui est en larmes, qui pleure toutes les larmes de son corps. Et il y a un monsieur sur un banc qui l'interpelle et qui lui dit petit, pourquoi tu pleures comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Et le petit garçon lui dit il y a mon papa qui est tombé du 4e étage et il est monté directement au ciel. Et il y a le monsieur qui fait waouh, le rebond. C'est nul. Paix à son âme.
Blague numéro 3, 75 licite qui m'a envoyé une petite blague sympa aussi. Ah, alors, c'est la finale de la Coupe du Monde et un mec est assis avec une place libre à côté de lui. Bizarre. Un supporter va le voir et lui demande « Comment c'est possible ce genre d'événement d'avoir une place libre à côté de soi ?» L'homme lui répond qu'il avait acheté deux places, mais que sa femme est tristement décédée juste avant la finale. Le supporter ne sait plus trop où se mettre, il est un peu gêné, mais il rétorque « Mais vous n'avez aucun proche qui aurait pu vous accompagner pour la remplacer ?» Et l'homme répond « Bah non, ils sont tous à l'enterrement. » C'est naze. Alors, on arrive à la blague numéro 2, une de celles que j'ai préférées. Donc, Max Sound, tu as gagné un des deux lots. Donc, à voir après avec le premier, si celui qui préfère la petite caméra. Vous savez, il y a la caméra Firefly Mini à gagner ou le petit JJRC H59 Ferry. Donc, on s'arrangera, on verra ça. Je vais en discuter et on verra ce qu'ils veulent. Donc, Max Sound m'a envoyé une blague. Alors, un jeune homme va à la pharmacie pour chercher une boîte de préservatifs. Donc il demande sa boîte au pharmacien, normal. Le pharmacien lui demande s'il veut un sac avec. Et lui il répond, non merci, elle est pas si moche que ça. Vous avez compris? Un sac. Enfin bref. Donc Max Sound, tu as gagné un des deux lots. On se recontacte, j'attends ton commentaire dans la vidéo et on se recontacte en privé bien sûr pour tes coordonnées. Et le grand gagnant, la blague qui m'a fait vraiment marrer quand je l'ai lue. J'ai raconté à tous mes potes, hein, donc moi, elle me fait moins rire maintenant, mais franchement, elle est sympa. C'est Zach88 qui m'a envoyé cette blague. Merci, mon Zakounet. Alors, je vous explique. Il est 4h du matin. Un homme rentre au domicile conjugal un peu torché, on va dire même défouraillé. Il se dit, je vais me faire un jus de citron, comme ça, ça va masquer l'odeur de l'alcool avant d'aller me coucher, quoi. Il va se coucher. Le lendemain matin, sa femme l'engueule comme du poisson pourri. « Ouais, t'as encore bu comme un trou hier, t'étais complètement pété, hein ?»« Non. »« Ah ouais ? Et le canari écrasé dans le presse-citron, il s'est suicidé peut-être ?» Bref, autant vous dire qu'il a bu un jus de canari avant d'aller se coucher. Donc voilà, mon Zach, t'as gagné. Pour moi, c'était la meilleure des blagues. Enfin, c'est celle qui m'a fait le plus rire, en l'occurrence. Bref, donc voilà, pour ce petit concours, ça c'est fait. Donc j'attends vos coordonnées, Zach et Max Sound. On se contacte pour vos coordonnées en privé. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc bon Black Friday à tous. Merci encore de votre soutien. À très bientôt dans mes vidéos. Et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao.